Est-ce que vous êtes plus futur, plus passé ou plus présent? Vous savez, la majorité de mes problèmes dans ma vie, la majorité de mes contractions, de mes résistances, la majorité des fois quand je me perds dans ma vie, c'est tout simplement parce que je suis trop futur. Hein? J'ai une tendance facile à m'en aller dans le futur, en train de planifier, d'organiser, de structurer, d'imaginer, de développer. Je m'en vais toujours dans le futur. C'est les tendances de François qui manque de connexion. Hein? Je m'en vais dans le futur, puis là, je suis dans ma création, puis tout ça, puis là, c'est comme, je m'en vais constamment dans le futur. Si tu fais ça assez longtemps, sans présence et sans connexion, c'est une question de temps avant que tu crashes. Hein? Et il y en a d'autres, c'est passé. Ils ont tendance à se rendre compte qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont dans le regret, ils en veulent à leurs enfants, ils en veulent aux autres, peu importe. Hein? Vous le savez, avez-vous tendance à être plus futur, donc anxieux, ou plus passé, dépressif, lourdeur? On a vu que la clé, c'est la présence. C'est développer notre présence à l'instant présent parce que par cause à effet, on va installer la paix.